Salut les gars, épisode 15 de Resident Evil 4, on continue. On avance bien, je suis content. On a combien d'heures de jeu là? Je crois qu'on doit être à 15h, un truc comme ça. 15h de jeu. On va regarder ça, j'ai un doute là. Putain, mais de voir Ashley comme ça, allongé sur un lit, derrière des barreaux, ça me fait penser à Mia dans RE7 au début. Alors nous sommes à... Ah non, 12 heures de jeu. Le mec, clairement, là, on arrive à la fin du jeu. Il doit rester encore quelques heures. 2-3 heures, je pense. Là, oui, c'est vrai, on avait activé le courant. Pour passer par ici, on avait tout ramassé, donc c'est parfait. On y va. Ah oui, mais en plus, c'est là où on va voir un nouvel ennemi. Rappelez-vous. Ashley! Ashley! Ashley, réveille-toi! Ashley est dans un sommeil profond. D'accord, il y a un gros mec. Il y a un ennemi sanglier. Vous pensez que l'ennemi sanglier, je peux l'avoir en one shot dans le dos? Je vais essayer. J'en suis pas sûr. Je crois pas que j'ai déjà réussi à niquer un mec furtivement de ce gabarit. Dieu. Si on peut l'avoir avec un seul coup de couteau, en mode fufu. Allez Léon, vends-moi du rêve. Si on peut. Incroyable. Ok, là il me faut Ashley, très bien. Donc là il me faut une carte que je n'ai pas. Il faut une carte. C'est fermé. Comme par hasard. Bah écoutez, passons par là. Alors les gars, en plus, il est quelle heure? Il est 19h14. Faut savoir que j'ai fait une longue sieste. Alors à la base, je devais faire une sieste de 1h. Au final, j'ai dormi 3h. Oh super! Oh les mecs, c'est la furtivité qui va primer là. Furtivité les enfants, la furtivité. Il revient l'autre là? Oui, il revient, ok. Ok, ça marche bien. Mais vu comment les ennemis se déplacent là, ça se voit que Capcom ont voulu faire en sorte. Il m'a vu. Il m'avait vu ce con. Ah
dégage. Pep, 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 on se transforme pas, mon pote. De fusil. Y a pas un document à lire là ? Ça me paraît bizarre cette histoire. Putain, c'est joli ici. J'aime bien la couleur. Oh les gars, par contre, des munitions de flingue, en veux-tu, en voilà. Attendez, est-ce que je peux me... Allez, munitions de mitraillette. Ça part. Mais ces couloirs. Là, t'es pris en sandwich, t'es un petit peu dans la merde. Le bleu de velours. Bien tenté. Mais ça m'a fait ni chaud ni froid. Jette un œil, quelque chose va forcément te plaire. Bienvenue. Alors. Chose intéressante à vendre, étranger. À quoi tu tiens le plus ? Ouais, mais la mallette, si je la prends, après j'aurai plus de place, quoi. Le choix est vite fait, l'ami. Plus c'est grand, mieux c'est, comme on dit. Ouais, c'est ce que me dit ma femme. Je pensais quand j'étais jeune. Est-ce que je. Alors, est-ce que. Ah mais non, j'ai pas les bons... Faire tuer, hein. Bienvenue. J'ai pas les bons trésors, c'est compliqué. Attends, est-ce que tu as des choses à échanger, là? T'as un petit peu de la merde. Certaines choses que l'argent n'achète pas. Je vais te prendre de la poudre noire. Ça, c'est une... Reviens. Je vais les garder. Je vais sauvegarder. Il me faut encore une carte. Que je n'ai pas. Bon, la direction artistique de cette zone est beaucoup mieux que l'original, mais c'est pas non plus ce que je préfère, quoi. Oh, mais là, il me faut une carte encore. Ah! Bah, le voilà cet ennemi que je vous parlais tout à l'heure. Bah, oui, et en plus, comme par hasard, on t'oblige à aller là où il y a le mec. Alors, préparez-vous.
Malheureusement, il n'y a pas de courant. What? Pathologiste. La demande de mise à jour de votre carte d'accès a été approuvée par le chef du département. Veuillez apporter votre carte de niveau 1 en salle de session. Nanana, très bien. Et ok, on s'en fout. Et la lumière fut. Je l'entends. Je l'entends ce coup. Vous savez quoi? Je suis persuadé que le monstre va apparaître dans le noir là. Ah mais en fait c'est un raccourci ça. Est-ce que j'y suis allé là? Ouais mais où est-ce que tu veux que je récupère la carte bordel? Pardon. Pardon. Carte d'accès elle est là. Comment tu veux que j'y aille ici? J'ai pas compris. C'est bon, c'est allumé là. Mais what, mais... Ah, j'ai pas vu qu'on avait un quatrième, d'accord, ok. Putain. Quelle sorte d'expérience ils font ici? Eh bah, ça ressemble à rien quand tu regardes comme ça. De toute façon, même de base, ça ressemble à rien le truc. Enfin, j'ai donné naissance à une nouvelle vie, j'ai baptisé cette créature Reginador. Sa capacité métabolique est exceptionnelle, à moins que tous les parasites présents dans son organisme soient éliminés, c'est issu d'un... En observant son corps avec une lunette dotée d'un biocapteur, j'ai pu vérifier que les parasites se comportaient comme des organes vitaux, pour leur hôte, presque comme celui-ci. Ouais. Ok, très bien, on s'en fout. Bien. Et là, du coup... Oh.
Mais c'est sérieux, quoi. Bien sûr, à travers le mur. Un petit cadeau. Comment tu meurs en... Et prends ton arme, oh là. Là, il est mort. Putain. Quel enfoiré. Bon, ils sont beaucoup plus costauds que dans l'original, ça c'est sûr. Je vais pouvoir sertir. Du coup, je vais faire celui-là. Ensuite. Ça va être tendu. Il faut que j'active le courant. Mais je l'ai pas déjà fait, bordel. Ok. En fait, le courant là a été activé ailleurs. Oui, il m'en manque un. Voilà, c'est bon. Oh là, mais c'est quoi ces trucs? Est-ce que c'est une mitraillette, ça? Ah oui, c'est ça. Bah, je vais pouvoir vendre l'autre, alors.
Oh, c'est magnifique. Mais ils sont quasiment plus casse-couilles que dans l'original. Ils t'attrapent de je sais pas d'où, quoi. Oh les gars, je vais arrêter de les tuer parce que ça... Mais barre-toi! Oh là là! Dieu quoi. Même pas je les tue. J'en ai plus rien à foutre. Je me casse. Désolé, j'ai glissé. On est à 24 minutes là. Je vais bientôt faire une coupe. Ah, on est revenu ici. Ah, mais j'ai loupé des choses. J'ai raté des pesetas, t'inquiète. Je le sens pas du tout. Lors d'une récente panne de courant, un cobaye est sorti de sa stase cryogénique et a détruit sa cuve avant de s'échapper. Il a été maîtrisé au bout de 20 heures après avoir fait 7 morts et 19 blessés lors des victimes assassinées, c'est bien. Cet incident malheureux est dû à l'instabilité de l'alimentation électrique. Ces générateurs obsolètes ne peuvent pas supporter les cadences intensives de nos expériences. La direction doit donner la priorité aux besoins des ingénieurs par rapport à ceux des chercheurs pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Oh. Attendez.
Comment s'appelle mon arme là? Le Stringray. Voilà, là on va pouvoir se les faire. Il me faudrait une clé à molette. Une clé à molette? Il y a un trou dans le mur là. Comment tu veux que je trouve une clé à molette? Ah oui, normal. Une clé à molette. Et l'autre en plus là-bas là. Ici clairement de la galerie. Où est cette clé à molette? Tiens, qu'est-ce toi, que je peux faire ma pour merde. Toi? Trésor ou babiole? Voilà. Merci. Je vais réparer mon couteau. Je vais réparer mon gilet pare-balles. Je vais améliorer mon arme. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Voilà. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Voilà. Oui, je reviendrai. Le trou dans le mur est là. Borne à réécriture, mais il y en a une ici. Attendez. De toute façon, les gars, on a 30 minutes. Donc, j'ai fait ma coupe ici et je vous reprends après. Re, les gars, bon, on se retrouve pas exactement là où j'ai fait mon cut. C'est normal parce que quand j'ai commencé à faire la deuxième partie donc, de cet épisode 15, j'ai oublié de mettre en enregistrement ma voix. Donc, du coup, voilà. Donc si c'est pas mon PC qui bug, c'est moi qui fais de la merde. Je ne m'y habitue pas, j'ai envie de me gifler.
Alors attendez, parce que là je suis toujours à la recherche de cette clé de merde. Ok, je peux plus y aller. Ah mais c'est parce qu'il y a plus de courant. Mais je suis con. Attendez, mais là ça me dit que c'est fermé en plus ici à l'intérieur. Attends, me dis pas que c'est là-dedans. Où est le courant là? Je m'en rappelle plus. C'est ici. Allez mec, je vous avoue, là c'est vraiment saoulant de pas trouver le truc. Tu tournes en rond, tu trouves pas le bordel quoi. S'il y a un truc dont j'ai horreur dans les jeux, c'est ce genre de conneries là. Surtout qu'en plus, Louis, il m'a filé une clé. Mais vraiment, je sais pas à quoi elle sert cette clé de merde. Mais c'est pas ici. Y a rien ici, clairement. Parce que là, t'as la bande de réécriture, mais je peux pas l'utiliser. Je comprends rien quoi. J'avoue que c'est en train de me monter. Non mais là clairement il y a rien à faire. J'ai fouillé partout, il y a strictement plus rien à ramasser ici quoi. Qu'est-ce que tu veux que je branle? Toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Mais mon Dieu, quoi. Mais je tourne en rond, et c'est un truc de fou. J'en ai ras le cul, les gars. J'en peux plus. Attendez, parce que là, ça se trouve, je suis en train de chercher comme un guignol pour rien. Est-ce que je peux sauver Ashley au moins? Est-ce que je peux ouvrir la porte? La porte d'Ashley, parce que c'est vrai que la porte d'Ashley, je l'ai pas regardée. La porte est bloquée. Non mais Ashley c'est une porte de 3, comment tu... Non mais... Les gars... Mais c'est un truc de fou. Mais... Ah les gars, je vais regarder sur internet, hein, je vais pas me faire chier. Hein. Attends, je tourne en rond depuis tout à l'heure dans les mêmes zones, y a rien à ramasser quoi. Arrêtez de vous foutre de ma gueule là. C'est invraisemblable. Vraiment. C'est un truc de fou. Les gars, je fais toutes les zones. De fond en large. Y a rien. Attendez, c'est le jeu qui a bugué. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel?
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Vraiment, les gars, mais il y a rien du tout. Et là, je suis retourné ici. Ouais, faut rester calme. Putain, faut rester calme. Porte level 3. Là, il y a un trou dans le mur, mais c'est pour Ashley. Porte niveau 3. Et après, là, il n'y a plus rien après. Je fais toutes les pièces de fond en large. Il n'y a que dalle, hein. Truc de baiser. Regardez-moi ça. Il y a rien. Il y a que dalle. Et là, je suis retourné ici, mais le problème c'est que je peux pas interagir avec le truc. Là, il me faut une clé level 3. Bah oui, je peux pas. Je peux rien faire. Toutes les portes qui me restent sont level 3. Qu'est-ce que tu veux que je branle ? Y a rien du tout. Regardez-moi ça. Y a rien. Y a que dalle. Je peux interagir avec rien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bordel? Je comprends pas. Les gars, vraiment, je comprends pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je comprends rien du tout. C'est affolant. Voilà, donc là, je refais demi-tour. Encore, si ça serait moi qui serais con, je comprendrais. Mais là, je fais toutes les pièces de A à Z. Je regarde partout, il n'y a que dalle. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est un truc de baiser. Regardez, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Il n'y a vraiment que dalle. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Et là, tu tournes en rond, tu trouves rien. C'est en train de me gaver, c'est en train de me monter là. J'ai horreur de ça, de passer mon temps à fouiller des pièces à la con. C'est un truc de fou. Bon, les gars, téléphone. Allez, ça m'énerve. Je vais regarder sur internet, je vais pas passer mon temps à me casser le cul, à tourner en rond, ça me saoule. Je suis en train de perdre patience là. Alors, je tombe sur une vidéo carte niveau 3. Donc c'est une clé à molette qu'il faut. Il le dit en plus dans la vidéo, je pense que vous avez entendu.
Putain, les gars, c'est... Oh là là, mais comment tu veux savoir ça? Je regarde même pas la vidéo jusqu'à la fin. Parce que c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire. Non mais, les mecs, vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. Comment tu veux savoir ça? Mais franchement, mais bouffez-moi les couilles, hein, les développeurs, là. Bouffez-moi les couilles. Sérieux. Putain, il tourne avec ta langue autour de mon gland, quoi. Fais ça bien, connasse. Hein. Mon Dieu. Vous allez voir, c'est une dinguerie. C'est lui qui l'a, regardez. Mais comment tu veux savoir ça? Et voilà, j'ai la clé. Non mais sérieux. Dégage. Oh, la perte de temps juste pour ça, quoi. Mon Dieu. C'est vraiment de la merde. En plus, il n'y a aucune cohérence. Comment ça se fait qu'un monstre ait la clé dans son bit, quoi? À aucun moment tu vas te dire ça, quoi. Merde! Oh! Oh là 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 là! Allez, je prends la carte. Merci. Mais vous arrivez par combien, bande de cons? C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Dieu. Et je pense que je suis pas le seul à avoir regardé une solution sur internet pour trouver ça, parce que putain, comment tu veux savoir que c'est un ennemi qui a la clé dans son bide? Quel moment? C'est pas cohérent du tout, quoi. C'est pas grave. Ashley. Merde. Tu vas t'en sortir.
Bien, fin du chapitre. Eh ben dis donc, ce fut long et laborieux, hein, pour trouver cette clé à molette là, mon Dieu Seigneur. Putain, mais en tout cas, le jeu est long, on est à quoi là, au chapitre 14 là, un truc comme ça. Léon ? Pardon, j'ai tardé. Non. Merci. T'as apporté le médicament à temps. Tu peux te lever. Où est Louis ? Il était inquiet pour toi. Jusqu'au bout. Allez, le temps presse. Il faut qu'on se débarrasse de ces trucs. Pour Louis. Pour Louis. Ada, réponds. Il y a un labo où on peut éliminer ces parasites. Et quelque chose me dit que tu sais où il est. Les installations les plus importantes sont dans leur sanctuaire au sommet de la montagne. Oula, le minerai de cristal, quoi. Ada, les bons tuyaux. Ravi de t'aider. La charge de revanche ? Oui, bien sûr. On nous a enfermés sans prévenir. À un, nous sommes conduits dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas ce qu'il s'y passe. Ils viennent d'emmener Annabelle. Je suis sûrement le prochain. Il faut que je réfléchisse. Je dois garder la tête froide. Toutes les personnes infectées par le plaga sont à la merci de Lord Sadler. S'il leur donne, ils travailleront jusqu'à la mort avec un sourire sur le visage. Le problème, c'est que l'hôte devient si simple d'esprit qu'il ne peut pas être utilisé pour des tâches complexes. Cependant, nous sommes parvenus à développer une nouvelle espèce supérieure de plaga. Celle-ci n'a pas de capacité de mutation particulière, mais elle présente l'avantage de ne pas diminuer les fonctions cognitives de son hôte. Apparemment, il prévoit d'injecter cette nouvelle espèce dans la fille, car il est important qu'elle conserve ses facultés intellectuelles après l'infection. Tous les tests ont réussi, nous avons même prévu de lancer la production de masse, un succès total. Mais on m'a enfermé, et on se prépare à m'injecter l'espèce supérieure dans la salle à côté. Annabelle n'est plus elle-même, son sourire a complètement disparu. Elle qui était pourtant si heureuse. Écrire est la seule chose qui m'empêche de devenir fou, même si personne ne lira jamais ceci. Eh bah si, je l'ai lu. Chapitre 14, c'est bien ça. Un petit poiscaille, ça fait plaisir. J'ai tout ramassé là, j'ai tout ramassé, ok. Ça va aller ? Bien sûr ! Je compte sur toi. La serrure. Bien. Bon bah y a plus qu'une porte, c'est parfait. Si quelqu'un a un moment, serait-il possible de réduire ces médaillons bleus en poussière ? Oui, pas de souci. Ok, ces médaillons sont ici. Il y en a que 5. Bizarre ça. J'ai de nouveaux articles étrangers. Tu m'en diras des nouvelles. Je peux toujours pas mettre les... Ah, ça m'énerve. Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Une affaire bien conclue. Une affaire qui roule. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère ? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Je te souhaite bonne chance. Rien de plus facile. Je vais améliorer la mitraillette. Ça t'épate, hein ? Reviens quand tu veux, surtout. Est-ce que je peux crafter des munitions ? Hop !
peux plus en faire, merde. Écoute, on va rester comme ça. T'as, par contre, mon inventaire est full, là, c'est juste hallucinant, quoi. Cartouche de pompe, hop, voilà. Bien. Continuons. Alors déjà, on a un médaillon ici. Ensuite, les autres sont au-dessus. Tiens, il est là. Trop fort. Merci Ashley. Cherchons un autre chemin. Vous voyez cette zone là ? Ça pue la merde. Voy a bañarme en vuestra sangre. Suivant. Oh non. On t'a dit. Médaillon ici, ensuite on en a un ici là. Ok, il est là. Et le dernier, il est au-dessus. Il est là. Joli. Parfait. On a tous les médaillons, c'est nickel. Est-ce que je peux me crafter? Ah, j'ai que de la plante verte. Bon, j'ai plus beaucoup de vie, donc je me bouffe un poisson. Allez, je m'en bouffe un deuxième. Voilà. Le phosphore, c'est bon pour le cerveau. Ok. J'ai l'impression d'entendre un trésor là. Non, il n'y a pas de trésor. Ashley. Non, Ashley, tu t'occupes okay. De ça. Attendez, qu'est-ce qu'on a ici, là?
C'est fermé, super. Donc je pense qu'on va pouvoir y retourner par derrière. Quoi? Merde! Au secours! Je vais te sauver! Enculé! Allez Ashley, on se casse de là. Putain, la mitraillette elle est pas mal hein. Elle fait de lourds dégâts je trouve. La MP5 là, magnifique. Putain, mais cette araignée de merde, elle est où ? Nickel. Putain, on va arriver à 30 minutes, je vais devoir m'arrêter dans pas longtemps les gars. Vous savez quoi? Je mets fin à cet épisode 15 maintenant. Pour ma part, je vous reprends directement après pour l'épisode 16. J'espère que cet épisode 15 vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous.